C'est Isabelle, bienvenue sur ma chaîne. J'ai changé de lieu, je me suis dit, ma foi, quitte à avoir fait un sapin, autant filmer cette période de Noël avec le sapin derrière soi. C'est toujours peut-être mieux que mon bordel de livres qui traîne. Alors si vous entendez des petits bruits bizarres, c'est normal. C'est juste Bibiche, le petit bisson de la maison, Maë, qui fait du bordel. Et comme je filme dans la pièce où elle est, et ben voilà. Vous entendrez forcément des petits bruits parce que c'est une petite boule de nerfs. On va donc parler aujourd'hui des meilleurs livres que j'ai lus cette année. Je crois que j'en ai une douzaine. Donc on commence tout de suite par, je vais faire, puisque je note toutes mes lectures sur mon bullet journal, je vais commencer par suivre mois par mois les livres que j'avais adorés. Il y en a que je n'ai plus parce que soit je les avais empruntés à la médiathèque, soit on me les avait prêtés, mais en général c'est plutôt des emprunts médiathèques. J'essaye d'emprunter aux personnes le moins possible parce que si je lis pas le livre tout de suite, je commence à culpabiliser de garder le livre de quelqu'un et j'aime pas ça. Donc on commence par le premier livre que j'avais lu en début d'année. C'est La police des fleurs, des arbres et des forêts de Romain Puertolas. J'adore Romain Puertolas, c'est mon auteur chouchou. J'ai lu tous ses bouquins et forcément, ils m'ont pas non plus tous plu à fond, mais c'est vrai que je suis assez bon public pour Romain Puertolas, ça me fait bien rire. J'avais un petit bémol sur le tome 2 des dernières aventures du fakir, là, au pays d'Ikea. Je sais plus comment il s'appelait vraiment ce bouquin-là, mais j'avais pas tellement accroché. Je l'avais lu en entier, mais bon, c'était peut-être un peu ma petite déception. Mais alors, La police des fleurs, des arbres et des forêts, c'était tellement bien. Et puis c'est bien écrit, il y a toujours beaucoup d'humour. Si vous ne connaissez pas Romain Puertolas, foncez, parce que moi franchement j'adore. J'ai toujours son dernier à lire, je ne l'ai toujours pas commencé. Je sais que dans la dernière vidéo, je vous avais dit que j'allais peut-être commencer à le lire et je sais pas. J'ai peur de le terminer et le fait de me dire que je l'ai terminé, ben, de me dire que je n'ai plus de Romain Puertolas à lire, alors que pourtant j'ai quand même un bon paquet encore de bouquins à lire, mais bon, que voulez-vous. C'était donc mon premier coup de cœur de cette année. Le deuxième coup de cœur, on est toujours au mois de janvier, c'est le livre d'Henri Lovenbruck, Nous rêvions juste de liberté, sublime roman. J'ai mis du temps à le lire parce que cette couverture avec un homme sur une moto m'a pas vraiment donné envie de le lire, et pourtant c'est tellement autre chose que cette couverture-là. C'est une amitié très forte, plein de choses qui se passent au road movie à travers les États-Unis. C'est juste un petit bonheur, vraiment, lisez-le. Moi, il y a des personnes à la médiathèque, quand je leur ai dit non, mais il faut vraiment que vous lisiez ce livre. Bon, ben forcément, elles ont fait un petit peu comme moi, elles ont bloqué sur la couverture. Mais franchement, c'est un sublime bouquin. Donc un gros coup de cœur pour cette année 2020. Février, des livres lus, mais pas de coup de cœur. Mars, pareil. Avril, pareil. Et il faut arriver au mois de mai pour avoir un très beau coup de cœur pour un auteur que j'adore. C'est Xavier Demoulin. Alors, je vous parle pour le mois de mai de La vie sans toi, que j'avais vraiment adoré. Alors, je sais qu'il y en a plein qui n'aiment pas. Il y a plusieurs personnes, d'ailleurs les notes sur Livre Addict, on ne va pas non plus dire qu'elles sont fantastiques, mais moi j'adore. J'adore Xavier Demoulin. J'ai adoré au mois de mai La vie sans toi, et j'ai adoré du coup au mois de juillet Le petit chat est mort. Ces deux livres que j'avais empruntés, non, je ne les avais pas empruntés, je les ai sur ma liseuse. Deux super bouquins. Moi, j'ai vraiment adoré. Faites-vous votre opinion. Si vous aimez, comme moi, Xavier Demoulin, n'hésitez pas à me dire ce qui vous a plu. Peut-être qu'il y a un livre qui vous a plus touché qu'un autre. Et si vous n'aimez pas, n'hésitez pas à me dire aussi pourquoi. Je peux comprendre qu'on n'aime pas. Mais c'est vrai que pour moi, pour l'instant, ça le fait plutôt,
plutôt pas mal. On passe ensuite, parce que je vais pas rester 15 000 plombes, je vous donne à peu près les dates à laquelle je l'ai lu. Si vous voulez un détail plus approfondi sur les bouquins, vous foncez sur mes points livresques, tout est noté avec les mois et tout. Vous trouverez sans problème la vidéo. Et mon chien est en train de sentir un de mes coups de cœur. Attends, pour l'instant, Maï, c'est pas celui-là pour le moment. Pour le mois de juin, j'avais eu un très gros coup de cœur sur le livre d'Angelina Delcroix, Si je serais grande. Alors, j'avais lu le roman d'avant. Oh là là, ça fait déjà un petit moment. J'avais bien aimé, mais pas plus que ça. Et Si je serais grande, j'avais vraiment accroché à ce bouquin-là. Je sais pas pourquoi, j'avais plus accroché à celui-là qu'à l'autre. Non, elle t'a rien fait, un galion. Tu manges pas son livre. Oh, dis donc. Ça se mange pas, les livres, ça se lit. J'avais surtout pris le livre d'Angelina Delcroix puisqu'on m'avait offert le tome 3 qui est sur ma bibliothèque et qui s'appelle Un peu beaucoup jusqu'à la mort. Et on m'avait offert celui-là, sauf que je voulais quand même avoir lu l'autre avant. Je l'avais emprunté à la médiathèque ou je l'ai sur ma liseuse. Enfin bref, un des deux. Et c'est vrai que j'avais beaucoup aimé cette histoire. Anne Gallion, je crois qu'elle va pas faire la fin de la vidéo. Non ! Et donc j'avais beaucoup aimé cette histoire. Et je ne peux que vous encourager à découvrir Angelina Delcroix. J'ai toujours pas lu depuis le tome 3. Mais bon, ça viendra du coup pour 2021. On passe au mois de juillet. Et au mois de juillet, j'avais adoré Cendre de Johanna Marine. C'est pas du tout ce que j'ai l'habitude de lire parce que c'est un roman plutôt ado. C'est un roman avec des personnages très attachants, mais avec aussi des petits rapports au fantastique. Ça m'a pas gêné plus que ça. C'est vraiment un très bon livre, surtout si vous avez des jeunes ados, vous pouvez le laisser sans problème. Ça peut donner aussi l'envie à un ado de lire. Bon, ça, je pense que ça ne sera pas le cas pour la mienne. Parce que je ne pense pas que l'histoire lui plaira plus que ça. Quoique, peut-être que dans les années à venir. Mais bon, pour l'instant, on n'est plus sur le manga que sur le roman. En tout cas, je ne peux que vous encourager à découvrir celui-ci qui m'avait vraiment, mais vraiment beaucoup plu. Le fait de se plonger aussi dans cette ambiance Londres dans les années 1800, fin 1800. Ça m'avait vraiment, vraiment bien plu. N'hésitez pas à découvrir les livres de Johanna. C'est le seul que j'ai lu. Hein. Je n'ai pas lu les autres. Je ne sais pas si je les lirai ou pas. Toujours un petit a priori puisque ce n'est pas ce que j'aime lire à la base. Mais bon, si vous avez lu d'autres livres de Johanna, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et le mois de juillet était très prolifique en coup de cœur puisque j'ai aussi lu Le Petit Chat est mort. Je ne vais pas revenir sur ce livre, je vous en ai brièvement parlé tout à l'heure. C'est une superbe ode à son petit chat qui est mort, sur comment ce petit chat est rentré dans la maison. Donc c'est Xavier Demoulin, je ne vous rappelle pas tout à l'heure ce que je vous ai bassiné sur Xavier Demoulin, mais vraiment un très beau livre sur l'attachement qui est né de cet homme petit à petit pour ce petit chat qui, bon, au final, il n'y a pas de spoil. Ce petit chat est mort et comment ils ont vécu cette vie avec ce chat. Et c'est sublimement écrit, magnifique. J'ai aussi lu Gros coup de cœur pour les jours brûlants de Laurence Perrin. Je suis une grande fan de Laurence Perrin. Dès qu'un livre sort, je le lis. Je mens un petit peu parce que je n'ai toujours pas lu. Il m'en reste un. C'est L'aile des Vierges. Je n'ai pas lu L'aile des Vierges, mais sinon je les ai tous lus. Et même si c'est pas du tout ce que j'aime à la base comme style de livre, j'adore l'écriture de Laurence Perrin. Et c'est vraiment un super moment de lecture à chaque fois. Je ne peux que vous encourager à découvrir les livres de cette autrice si vous ne les avez jamais lus. C'est vraiment pour moi un moment un peu un échappatoire au roman noir et au thriller. Sublime roman
que celui-ci, vraiment. C'est brièvement l'histoire d'une femme qui va se faire agresser. Et pourtant, elle a une sublime vie, tout va bien. Elle va se faire agresser et elle va du jour au lendemain partir et décider de disparaître et de changer de vie. Sublime. Vraiment, superbe roman. Et dernier livre du mois de juillet en coup de cœur, c'est Le petit garçon qui voulait être Mary Poppins de Alejandro Palomas. Superbe roman. Oh, vraiment, l'histoire de ce petit garçon. Oh là là, c'est troublant, c'est magnifique. C'est aussi le titre et je vous aurais mis l'image parce que je n'ai plus le roman, je l'avais emprunté. Le titre de ce roman et la couverture de ce roman sont déjà un prélude, une introduction à un roman juste magnifique. Il faut vraiment que je lise d'autres livres de cet auteur, mais alors celui-là m'avait totalement bluffé. J'avais vraiment adoré ce roman. Si vous avez lu certains des livres, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous n'en avez pas lu, je ne peux que vous encourager à découvrir Ce petit garçon qui voulait être Mary Poppins. Juste une sublime histoire. On passe au mois d'août et je vais enfin pouvoir sauver le livre qui a failli disparaître sous les crocs de mon petit Carlin. Il s'agit des Demoiselles d'Anne Gallion. Alors c'est pareil, c'est pas du tout ce que je lis à la base, mais Anne Gallion, quand elle sort un roman, je me jette dessus. Et je me jette dessus parce que c'est une femme qui est vraiment, je sais pas, qui respire la bonne humeur, qui est tellement gentille, déjà via son compte Instagram, mais aussi, on a eu la chance avec mon conjoint de la rencontrer lors d'une dédicace. Elle est tellement douce, souriante et tout, qu'on pourrait lui acheter tout son stock de bouquins. Franchement, elle est vraiment très agréable. Et ben, forcément, c'est toujours un petit peu des petits bonbons, ces romans. Mais celui-ci, j'avais vraiment adoré l'histoire de ces petites Espagnoles qui traversent la frontière pour arriver dans le Pays Basque à fabriquer ces espadrilles. Vraiment une sublime, sublime histoire. N'hésitez pas à le découvrir, c'est pareil. La couverture, rien que cette sublime couverture hyper colorée, moi, m'avait totalement charmée. N'hésitez pas à le découvrir. On passe au mois de septembre et au mois de septembre, zéro coup de cœur. On passe au mois d'octobre. Au mois d'octobre, j'ai lu, je pense, parce que bon, là, au moment où je vous filme, on est quand même que le 13 décembre. Donc, il me reste encore 15 jours. Oui, c'est vrai, je m'enflamme peut-être un peu. Mais j'ai un peu du mal à lire, là, actuellement. Donc, je pense que je vais ramer un petit peu. La semaine prochaine, je pars une semaine en vacances. Donc, je risque de pas beaucoup lire. Et forcément, je pense et je peux m'avancer en vous disant que le livre que je vais vous présenter, que je vous avais déjà présenté et dont je vous avais dit que ça allait être le livre de mon année 2020, eh ben oui. C'est Betty de Tiffany McDaniel, c'est par les éditions Gallmeister, c'est sublime. Sublimement beau, sublimement noir, sublimement tout. C'est un livre très dur. Et en même temps, on est porté par cette histoire familiale. Il y a des choses horribles qui se passent. Et en même temps, il y a des choses superbes. Il y a cet attachement, ce père indien qui essaye de rattacher ses enfants par la magie de ses histoires et par cette poésie vraiment sublime, sublime roman. C'est waouh, je l'ai passé à plusieurs personnes. C'est un roman, bah forcément, quand il plaît énormément à des personnes, ça fait beaucoup parler. Moi, j'ai eu des gens qui l'ont adoré comme moi, et il y a des gens qui n'ont pas accroché du tout. Et je remarque quand je regarde sur Facebook, quand je regarde sur d'autres sites, Livre Addict, tout ça, je remarque que c'est un peu j'adore ou je déteste. Ben moi, ça l'a carrément fait. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, mais pour moi, ça sera The Roman de l'année 2020. On passe, ah ben non, on est toujours au mois d'octobre, et au mois d'octobre, j'avais lu Chavirer
de Lola Lafon. Alors j'hésitais à le mettre dans les coups de cœur ou pas, parce que c'était une histoire quand même un petit peu brouillon, c'est-à-dire une histoire où on partait quand même un petit peu partout et où je me suis perdue plusieurs fois. Mais en même temps, c'est un roman très dur et qui m'avait énormément plu. Alors comme il était à la limite du coup de cœur, je me suis dit, je vous en parle quand même. C'est un roman, moi, qui m'a vraiment beaucoup plu. J'ai beaucoup aimé l'écriture de l'auteur. J'ai eu envie de secouer l'héroïne plusieurs fois en me disant, mais c'est pas vrai. Mais en même temps, quand on se met vraiment dans l'histoire, on aurait très bien pu être à la place de cette jeune fille. Vraiment, un très très beau livre. Si vous ne l'avez pas lu, je vous le conseille. Et on va terminer par le dernier livre que j'ai beaucoup aimé et que j'ai lu il y a très peu de temps. C'est Ankar de Christian Blanchard. Un roman qui m'a beaucoup touchée. De toute façon, Christian Blanchard, comme je vous le disais dans ma dernière vidéo, parce que là, si vous voulez plus d'informations sur ce livre, c'était le dernier point livresque, la dernière vidéo que j'ai faite. Un superbe roman. Une histoire très noire, une histoire où tout se passe très vite. Et je me suis beaucoup attachée à Champey, à ses origines, d'où elle vient, du Cambodge. Elle a été adoptée, elle est arrivée en France, elle a épousé un homme avec qui elle a eu un enfant, mais avec qui ça s'est pas très bien terminé. Et vraiment une superbe histoire, très noire, très dure, un roman très fort et un roman très prenant et j'ai vraiment adoré. Et j'en ai fini avec les livres que j'ai lus pour cette année et les livres que j'ai vraiment beaucoup aimés. Voilà, comme je vous le disais, je pars bientôt en vacances, donc je pense que ça m'étonnerait que j'ai de gros coups de cœur. Et au pire, si vraiment j'avais un coup de cœur en ce mois de décembre, ces derniers 15 jours de décembre, je le mettrai sur ma vidéo de l'année prochaine en trichotant un peu. Mais vraiment, ça m'étonnerait. Et je pense que le Romain Puertolas, je vais me glisser sur le début de l'année prochaine. Comme ça me fera un petit peu comme cette année. J'espère que vous passez un très bon mois de décembre. Que vos lectures se passent bien. Que votre chien ne fait pas du bordel avec son jouet à la fin de la vidéo, n'est-ce pas? Alors, elle va venir, elle va me gratter la jambe pour que je lui lance son jouet. Passionnant ma vie. Mais bon, en tout cas, j'espère que tout se passe bien pour vous. Moi, je vais aller jeter le petit quick-quick et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!